Je suis né à Aubervilliers en 1972. Je suis le neuvième et le dernier. Même si mon père en voulait douze. Vive la pilule magique, vive Simone, s'est dit ma mère. Je vais enfin pouvoir souffler entre deux couches remplies de mer. Paraît que la France est super chouette, mais elle d'ici si, elle la voit pas. Elle peut pas faire un petit pas. Son dernier fait ses premiers pas. Et sans cesse elle pense Est-ce qu'on bouffera demain car faut nourrir la tribu et faire. La lessive va la main. Allah est avec toi. Mais ton mari au bout de la France, sur un chantier ou à l'usine, se brise le dos pour notre pitance. Et elle essaie tant bien que mal, seule, d'élever sa marmaille. Prenez garde, Madame Ben, où ils finiront racaille. Et surtout le dernier, paraît qu'il répond même aux flics. Et il a une grande gueule, paraît que chez lui, c'est comme un tic. Mais sur le visage de ma mère. Jamais je n'ai vu de désespoir. Elle était le premier rôle des contes imaginés chaque soir. Sur la vie de ma mère. Il y en aurait des choses à dire. Car sur la tête de ma mère, sur les épaules de ma mère, il y avait pire que la terre entière. Il y avait mes sœurs, il y avait mes frères. Il y avait neuf raisons ben, de se faire une raison. Et de se dire que le paradis, ben, il était peut-être dans cette maison. Et elle essaie tant bien que mal, seule de lever sa marmaille. Prenez garde, Madame Ben, où ils finiront racaille. Prenez garde, Madame Ben, où ils finiront racaille. À tous ces profs qu'on dit bof, Madame, votre fils n'a pas l'étoffe. D'un élève modèle, madame, je vous fais une offre. Qu'il finisse son collège et qu'il parte en BEP. Qu'il apprenne un beau métier, je sais pas moi, soudeur ou cordonnier. Quand ma mère entendait ça, elle me contait ça. Sa vie dans son village où des écoles, il n'y en avait pas. Il n'y avait que des casernes et fallait se faire tout petit. Fallait se faire tout seul. Et ça, depuis tout petit. Écoute-moi bien, fiston, toi, t'es en France et tu te la pètes. Fais plutôt péter tes diplômes. Et plus tard, tu feras la fête. T'auras les moyens de la faire, moi, pour ta circoncision. J'ai vendu quelques bijoux, mais je regrette pas cette décision. Tes caprices de bourgeois, ben, tu les laisses donc aux bourgeois. T'en parleras l'été prochain à tes cousins en Algérois. Dis-leur qu'en de piges, on t'a viré de trois écoles. Eux te diront qu'en trente piges, l'État n'a fait qu'une toute petite école à... sur la vie de ma mère. Tu te rappelles la chanson que moi j'ai faite Oui. Tu te rappelles ouais. J'ai chanté ici devant toute la cité. Ah, bah oui. Tu te rappelles bien Bien sûr. C'est ton histoire. Ah, Yaya yeah, 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 yeah. yeah, yeah. Et ben, le texte que je vous ai dit tout à l'heure, Madame Ben, je l'ai écrit il y a quelques années déjà. Et, euh, et un jour, il y avait. Et ici, on fait une fête dans le quartier, une fête de quartier. Tous les étés, on met une grande scène juste là devant la pelouse. Donc j'ai dit un, un texte ou deux, les gens ils ont bien réagi. Puis j'ai commencé à dire ce texte-là, Madame Ben. Et tu avais tout le quartier qui était là. J'avais peut-être. Je ne sais hein. pas. Les, les gens étaient bouleversés, les gens. Ils, Ils écoutaient le texte, femmes. silencieux. Toutes les mamans du quartier, elles étaient à fond dedans. Et il y avait ma mère qui était au milieu de la foule. Quand j'ai fini mon texte, tout le monde a applaudi très, très fort, très chaleureusement. Euh, je suis descendu de scène. Tout le monde s'est poussé un peu. J'ai l'impression d'être Moïse. Tout le monde, toute la, la foule s'est poussée pour me faire un chemin jusqu'à ma mère, qui est au milieu. J'ai été, il y avait les you-you, etc. C'était vraiment la fête. Moi, j'étais hyper ému. J'ai pris ma mère dans les bras. Je l'ai serré. On s'est Et dans l'oreille, je lui dis T'as compris quelque chose Elle m'a dit Ouais, well, louf. Rien du tout. J'ai rien compris. Elle a juste un peu compris que je parlais un peu d'elle. Elle était fière, tu vois. Elle me dit T'as compris quelque chose Elle me dit Rien du tout. Quand j'ai commencé à éprouver du plaisir à lire, je me suis rendu compte que c'était ça l'essentiel. L'écriture le, et la lecture, pour moi, le plus important, c'est la notion de plaisir. Et je ne sais pas comment l'éducation nationale pourrait se démerder avec ça. Mais s'il n'y a qu'une seule chose à transmettre, c'est le plaisir. Et, euh, et des années plus tard, aujourd'hui, les ateliers d'écriture que je fais avec les, avec les jeunes, avec les gamins, c'est la seule chose que j'essaie de leur transmettre. C'est un peu de savoir-faire, un peu de technique, un peu de méthode, mais avant toute chose, et 90% de ce que j'essaie de leur transmettre, c'est un plaisir à écrire, à raconter et à, et à dire, raconter ses histoires en public. Quand j'ai lu Le Voyage au bout de la nuit, j'ai découvert la littérature. Vraiment, ça a été. J'ai compris ce que ça pouvait être la littérature. J'ai compris ce que ça pouvait être un style. Euh, le, le, dans l'écriture, j'ai compris ce que ça pouvait être de raconter des histoires, de raconter une vie. Euh, ça, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup donné. Et ça m'a beaucoup décomplexé aussi sur l'écriture. Malgré que Céline, c'est quand même un très grand écrivain et que c'est pas rien, dans le style, en apparence, en tout cas, j'avais l'impression que c'était une écriture euh, très simplifiée avec beaucoup d'exclamations, beaucoup de points d'exclamations, de, beaucoup de phrases pas finies, beaucoup de mots, et tout d'un coup, ça m'a complètement décomplexé. Et c'est pas que je me compare à Céline dans, dans le style de l'écriture, mais c'est comme entendre Léo Ferré. Léo Ferré, ça peut sembler très sophistiqué, très intelligent, très intellectuel, mais euh, moi, la grande leçon que des gens comme Céline ou Léo Ferré me donnent, c'est que, euh, que la poésie, elle peut être racontée avec les mots de tout le monde, les mots de tous les jours, et même les mots... Euh, les mots qui viennent de tout en bas, les mots de la terre et de la rue, et, et qu'on a tous des choses à raconter.